Je le vois, je le sens, je le sais. Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher. Il aime bien me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Je crois pourtant qu'il est seul et qu'il voit d'autres filles. Je ne sais pas ce qu'elles veulent, ni les phrases qu'il dit. Je ne sais pas où je suis, quelque part dans sa vie. Si je compte aujourd'hui plus qu'une autre bruit. Rien que sourire, à l'attendre, à vouloir le gagner. Mais qu'elles sont tristes les nuits, le temps me paraît long et je n'ai pas appris à me passer de lui. Tu m'excuses? Mais sans prix. C'est une copine que je connais depuis longtemps. Voilà. Bravo Céline. Moi je suis ravi de revoir Céline Dion. Je suis ravi de la voir surtout dans son pays. Elle me disait une chose, elle me racontait comment pendant qu'elle chantait, elle était omnibulée par une pensée, c'est celle, est-ce qu'il va me parler après? Parce qu'elle me disait, raconte Céline ce que tu me racontais. C'est que, elle disait, tout le monde pense, tout le monde dit que toi, quand t'aimes une chanteuse ou un chanteur qui passe à ton émission, tu vas leur parler après. Souvent, ça arrive souvent. Puis quand tu les aimes pas, tu vas pas leur parler. Non, c'est pas tellement ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas ça. Non, mais ce que mais je moi, dire... je vais vous dire, c'est quoi? C'est que quand j'ai fait... Bon, je l'ai dit souvent, je le disais souvent chez vous, quand j'étais en France, à Paris. C'est vrai que c'est vous qui m'avez donné la chance. C'est vous qui m'avez fait découvrir à en France, qui m'avez ouvert les portes. Mais je ressens un besoin, j'ai le goût de le dire aux Québécois ici, que c'est grâce à Michel Drucker. Si je suis connue en France, c'est lui qui m'a ouvert la porte. Et puis, quand j'ai fait son émission, il m'a dit,
Céline, viens-t'en, je vais te parler un petit peu. Et puis les gens m'avaient dit, juste avant de faire l'émission, oui, c'est étonnant, ça. Si Michel Drucker te parle, c'est parce qu'il t'aime, puis s'il te parle pas, c'est parce qu'il t'aime pas. En fait, c'est pas comme non, ça. Il m'a dit, viens, ça devrait pas être comme non, ça non plus. Non, non, c'est pas ça. C'est que dans une émission, il y a beaucoup d'artistes. Il y a souvent 10-12 artistes dans une émission, comme Chansonnier qui dure une heure et demie. Et de temps en temps, j'ai pas le temps. Et on n'a pas toujours une idée. Bah, tu le sais, maintenant que tu fais ce métier également très bien, Jean-Pierre. On n'a pas toujours le temps, ni le sujet de conversation qui va... Sauf faire... quand on est ébloui. Mais voir c'est cette ça. Jeune fille de 14 ans qui venait, je veux dire qu'on m'aurait pas...